Hello, salut à tous, c'est Nasty. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cities Skyline. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit peu autre chose que de faire des routes, des zones, etc. On va essayer de s'occuper un peu de l'embellissement de la ville en général. Donc, le dernier épisode, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était pas mal occupé de tout ce qui était train, métro, les bus aussi un petit peu. On avait zoné toute cette nouvelle zone ici. Et alors, on avait un léger problème. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est des zones. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Clinique et. Clinique? Je sais foutre là, ça, je comprends. Ah, bah, foutre là, ça. Attendez, on va vérifier juste pourquoi j'avais mis une clinique là. Excellente question. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je perds complètement le fil je ne sais même plus ce que je vous raconte. On va s'occuper un peu de l'embellissement en général de la ville. J'ai téléchargé pas mal de nouveaux bâtiments, de nouveaux parcs, etc. Et on va essayer de rendre notre ville un petit peu plus jolie et de s'occuper de notre problème de mort aussi. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais on a beaucoup de morts ici partout. Alors, j'ai posé pas mal de crématorium. J'ai un cimetière là, j'ai un crématorium ici. J'en ai mis qu'un en fait. Ah, je crois que c'est ça que j'avais voulu mettre là en fait. C'est des crématoriums que je voulais mettre là. L'autre fois, et j'ai dû confondre avec un hôpital. Ok, ici c'est good. Ici, on va en mettre un aussi. Badabim, badaboum. Et ici, on va en mettre un aussi. Quelque part où ça va pas trop détruire de bâtiments. Non, c'est un métro. Oh bah. Ah, fuck, je vais quand même péter un. De toute façon, c'est auprès de l'autre. Over here. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, comme je vous disais, j'ai téléchargé pas mal de nouveaux modes. Comme par exemple, ici un nouvel hôpital. Un hôpital. Mais c'est un. Je vais vous montrer en fait, je vais pas le dire. Je vais pas le dire, je vais le poser ici. Je vais le poser ici. Vu qu'il y en aura besoin à un moment donné. Hop, de toute façon, vous l'aurez peut-être déjà vu écrit, mais. Allez, ah. C'est un Pokémon Center. Voilà. Alors, on a ce nouveau bâtiment là. J'ai un nouvel hôpital aussi ici. Un petit hôpital de campagne assez sympa que je vais poser quand je ferai mon petit village. Genre par ici, plus tard, je ferai vraiment un petit village hyper isolé. On va poser des petits villages de campagne. J'ai une nouvelle station de pompiers qu'on va poser. Et vous allez très certainement la reconnaître. Très vite. Peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas, ça me fait bien triper. Attention. Bah. Voilà, maintenant vous l'aurez certainement reconnu avec le sigle sur la porte d'entrée. C'est la station de pompiers des Ghostbusters. Et voilà. Moi je trouve ça absolument excellent ce genre de petit truc. Ça fonctionne comme une station de pompiers normale, hein. Donc il n'y a pas de tricherie ou quoi, hein. C'est pas un bâtiment complètement exagéré. Et autre chose que je voulais installer, j'ai aussi des nouvelles gares, mais surtout un truc que je voulais installer. Un truc que je voulais installer. Ici, ce que je veux faire, c'est un quartier ici high-tech. Donc on va faire un nouveau district. Ici. On va effacer l'autre. Enfin, on va plutôt remplacer ce coin-là de mon district principal. Et ce que je vais faire, c'est que, pareil ici, hein, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quand vous voulez que je l'appelle, hein. Ça, on va dire que c'est la nouvelle zone. Cette fois-ci, c'est vous qui la nommez. Dites-moi le nom que vous voulez mettre. J'en choisirai un qui me plaît. Et on va faire. Et on va faire. Et on va faire. On va faire. Déjà, parc et loisirs. Ça va augmenter notre budget parc et loisirs. Et ensuite, au niveau de connexion sortante, on va mettre un logement high-tech. Comme ça, on va privilégier, on va installer de nouveaux dispositifs dans les maisons qui vont faire qu'elles sont high-tech. Ça va très fortement augmenter la valeur des terrains ici. Et en même temps, on va en profiter pour faire quoi? Je vais essayer de voir pour faire de ce quartier-là un truc très futuriste. C'est pour ça que j'ai téléchargé un parc un peu spécial qu'il faut que je retrouve parce que j'en ai pris tellement que c'est devenu le foutoir. Attendez, hein, j'espère que je vais le trouver. Ici. Non. Non.
Un grand parking et voiture non plus. Ça non plus. Où est-ce qu'il aurait été se foutre? Il s'est pas encore téléchargé? Ah non, ça va me rendre triste ça. Stadium, stadium, small parking, small parking. C'est pas grave. On va s'occuper d'autre chose. Il n'a pas dû encore se télécharger parce que je l'ai mis très récemment. Ça c'est génial, attendez. Je vais mettre pause pour pas exploser toutes mes voies. Et je vais vous montrer ce que c'est. De toute façon, vous aurez compris, hein, c'est pas... il faut que je casse plus loin. Badabim, badaboum. Voilà. Et au niveau de mes voies ici, évidemment, elles ont disparu. Je vais devoir les refaire. Ici. 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 Et là. À nouveau. Oups, attendez. À nouveau. Non. God damn. Voilà. Là. 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 Et là. Voilà. Dans notre quartier futuriste, on va pas avoir un métro, on va avoir forcément une porte des étoiles. Fonctionnelle celle-ci, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je veux l'avoir fonctionné pour la première fois. Oh putain, les gens passent par la porte des étoiles et prennent le métro. C'est pas magnifique ça? C'est génial. Donc voilà, ici ce sera vraiment notre quartier high-tech. D'ailleurs, on va regarder un petit peu la valeur de l'endroit. Ici ça commence déjà à augmenter pas mal. Notre budget se pète pas trop la gueule par contre, parce que ça... Non, super. On gagne toujours comme des gros porcs, c'est nickel. J'aimerais quand même bien trouver ce parc. Alors aussi, je m'en tracasserai le parc plus tard. Une autre chose que j'ai apprise, c'est que les piétons ne traversent pas la route. Logique, il n'y a pas de passage piéton. Donc je vais un petit peu vérifier. Tiens, d'abord toi ici, tu vas... Pas bon. Oh, c'est quoi ça? Et alors on va faire un petit... Dans notre quartier high-tech, hein, on va mettre un petit monument ici en plein milieu des trucs, là où il n'y a pas de zone en fait. Un petit monument. Je vais montrer ça tout de suite. Petit monument à Hearthstone. Voilà. Boum. C'est pas beau ça? Je vous dis, j'ai téléchargé plein de nouveaux trucs. Je suis impatient de les tester en fait. Les seuls trucs que j'ai pas pris, c'est des nouvelles centrales électriques. J'avais pas envie d'avoir l'impression de tricher. Enfin, je sais pas. Les centrales électriques, toutes celles que je trouvais étaient beaucoup trop puissantes. Ça me plaisait pas des masses. Voilà, donc ici on est en bonne voie. Dans notre quartier high-tech. Voilà ici, le crématorium il va démarrer doucement. Notre train, ça continue à tourner. Ouais, tout doucement, tout doucement. Le problème de mort a disparu. Par contre, les bâtiments abandonnés, il faut que je les abatte. Bah, sorry les gars, une petite interruption, on reprend tout de suite. Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais vous montrer. Alors, c'est dans les monuments uniques qu'on va aussi poser d'ailleurs. Hein. Il faut qu'on augmente un petit peu la... Faut qu'on en pose en fait. Hein. Donc, dans notre quartier high-tech, pourquoi ne pas poser des parcs high-tech? Quelque chose qui va faire une belle zone. Ça. Un parc ne serait pas high-tech sans mon super parc Star Trek. Putain, il est magnifique hein, quand même. Hein. Boldly go to the park. Excellent comme jeu de mots. Excellent, excellent. Ça va bien augmenter notre valeur foncière. Et ici, un bon petit Gundam. T'as un mecha. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment unique à poser? Ah, le bâtiment existe déjà. Ça m'inquiétait, je pensais qu'on pouvait en poser plus. Statue de la prospérité. La statue, la personnification de la prospérité de la ville. Critère exigé pour construire l'ascenseur orbital. Autant vous dire que je sais déjà où il va aller. Et il va me le falloir impérativement. Donc, statue de la prospérité. Il va falloir que je la pose quelque part par ici, parce qu'il y en a bien besoin dans la zone. On va regarder les loisirs augmenter direct. Je vais enlever la pause.
Non? Si, voilà, ça redevient. Ça passe un peu plus au bleu. Et on entend que ça blip 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 ici dans tous les coins. Donc c'est cool. Ça c'est quoi? Place Lazareth. Peut-on se targuer d'une santé déficiente? Apparemment oui. Place Lazareth est un endroit spectaculaire où les gens aiment venir, qui était exigé pour construire le centre médical. Alors, ça on en aura besoin ici. Ici je compte agrandir, hein, donc vous inquiétez pas, c'est pas une connerie que je vais le mettre là. Oh putain, c'est flippant. Ah, ils sont moches. Ugh. Toujours eu horreur de ce genre de truc. Alors, dans les niveaux 2, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est beau ça. Tour du transport. Grand immeuble de bureau destiné aux particuliers, aux entreprises de transport public. Critères exigés pour l'ascenseur orbital. On n'a pas le choix, faut la poser. Si, 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 je suis forcé. Je suis forcé. Oh, est-ce que je peux bien la mettre pour que ça ait pas l'air complètement con? Oh, ici, hein. Bim. Oh putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quoi. The Transport Tower. Yop. Putain, c'est gigantesque, quoi. C'est tout bon, tout bon, tout bon. Alors, faut faire gaffe à notre budget, quand même. Alors, ici, ça, c'est le... supermarché, le centre commercial de la modération. Bon. On va caser ça. Ici, là, il manque des bâtiments. Peut-être... Oh, non, c'est trop grand. Ici... c'est un peu à chier de le mettre là, non? Faut le mettre dans les zones, ici. Ah, ici, c'est pas mal. Ah, ici, c'est pas mal. Ah, ça, c'est bien, ça. L'électricité, ça compte pas? Si, t'es dans rate 2. Voilà, c'est bon. Alors, autre monument... Trésor public. Optimiser les impôts selon vos souhaits nécessaires pour construire la centrale à fusion. Soyons honnêtes, c'est ici que notre plus gros quartier d'habitation va se trouver. Hein. C'est-à-dire, toute cette zone-là, ça va être de l'habitat. Donc, je vais le poser ici. Il nous faut une zone... Ça, l'observatoire, pas encore. L'opéra, critère exigé pour construire l'ascenseur orbital. Ascenseur de l'espace, ascenseur orbital, quoi. Je vais lui faire sa propre zone, à lui. Les gens qui veulent aller à l'opéra, il aura sa propre zone avec... Non, pas ça. Attendez, je sais ce que je cherche. Non, c'est trop grand. C'est trop petit. Il aura son propre parking. Est-ce qu'il y a plein de ce côté-là que je voyais pas. Stadium parking, small parking lot. On faut un plus grand que ça, s'il te plaît. Allez, je sais que j'en ai des grands. Yes. Tatouane. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Et alors, comme je vous disais, les pitons ne traversent pas s'il n'y a pas de passage piéton. On va leur faire ça. Passage piéton. Allez, on va monter de 1. Non. Ah, voilà. Oups. What? Je peux en faire 1? C'est ces conneries. Attendez. Ok, ça c'est chelou ça, tiens, ce qui est en train de se passer là. Non, c'est pas grave. On va se débrouiller. Hop. Hop. Voilà, comme ça les piétons pourront faire le tour par là. Les parkings sont fonctionnels, hein. Y compris celui-là, hein. Ah, il est classe, j'aime bien le modèle. It's crunch time! J'aime bien le modèle, j'aime bien le modèle. Donc voilà, l'opéra a sa petite zone à lui. Très chouette, très chouette, très chouette. Alors, d'autres bâtiments uniques. Centre des expositions. En fait, je pourrais
Non, ça va faire trop de bâtiments de ce genre-là au même endroit. On va attendre un peu pour celui-là. Ouais, on va attendre pour celui-là. Gratte-ciel et mer. Récompense pour avoir construit un port de passagers et un port de marchandises. Je sais pas construire, c'est de la dope ça. Je vais pas le poser. Ok, ça c'est très bien. Où on en est dans nos déchets? Je vois que ça râle un peu. Non, ça va, notre niveau d'incinération est bon. Ici. Là j'en ai. Ah non, là j'en ai pas. J'ai que des décharges là. Ah, attendez, on va. Tiens, ça c'est quoi? Usine d'incinération. Au lieu de simplement collecter les déchets, pourquoi ne pas. Ah bah c'est ce que je posais déjà depuis tantôt. Je crois que c'était un mode que j'avais pris ou quoi. Je peux en poser une de plus là. C'est parfait. L'eau, y'a pas d'eau? C'est bien. Toi tu te vides. Se vide. Et lui se vide aussi. Donc ça veut dire que je peux pas encore les supprimer. Ok. Encore les enlever malheureusement. Ici, ils se vident aussi. Bon, je peux pas encore m'en débarrasser. En définitive, je vais les enlever parce que ben, c'est moche. Je pourrais encore mettre du commerce, peut-être du commerce ici. Ouais, je vais mettre un peu de commerce là. Beaucoup de gens qui habitent là vont venir habiter là, à mon avis, en définitive. Donc, faut juste faire attention à la noise pollution. Enfin, pardon, excusez-moi, à la pollution au niveau du bruit. S'il y a trop de bruit, vos habitants vont pas être contents. Si ça manque d'eau. Hop là. Fonctionne normalement. Et vous voyez ici les parkings? Et tac. Ils fonctionnent. Les gens viennent de se parquer là. C'est cool, hein? Franchement, moi j'adore. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Au niveau de mes transports, la zone est trop bien. Ah ouais, mon petit parc ici, il a besoin de... Pas que mon petit parc en fait. Pas mal de choses comme besoin d'électricité, c'est pas très grave. On va longer les voies de train, puisque bah... C'est un peu dans le thème, hein. Ici. Ici. Et ah, je peux passer à travers malheureusement. Voilà, on n'emmerde pas les zones d'habitation. Si, si, un peu quand même. Allez. Allez, sois gentil. Sois gentil. Coopère. Coopère. Ah bah qu'est-ce que je m'emmerde. Ça vient de se connecter tout seul. Ici je vais laisser parce que ça fait un peu... Non, ça fait juste hyper moche. Je suis en train de déforester. Allez. Voilà. Comme ça. Comme ça. Bon, ici il faudrait peut-être voir à peut-être voir à se connecter là, vous touchez presque. Allez. Allez. Et presque là. Allez. Encore un petit. Ils sont pas là, là. Là. Ici. Bon, tant pis, j'ai pas le choix. Oh, putain. Juste pour me les briser. Hein. Ok, c'est bon. Ma demande commerciale n'a absolument pas baissé du tout. Donc j'ai pas assaisonné. C'est pas grave, on va aussi mettre un peu là. Ici aussi. Au niveau de la pollution sonore, faut faire gaffe à vos commerces. Hein. Vous voyez ici d'ailleurs, ici installe pas hein, les gens. Hein. Le commerce fait beaucoup de bruit. Beaucoup, beaucoup. Les bureaux beaucoup moins, mais les. Vous voyez les commerces? Énormément, énormément de bruit. Donc il faut faire très attention. Alors, ouais, ici, il y a. Ça que je peux enlever, ça va aider au niveau de la pollution sonore, voilà.
Ah là là, il va falloir que je prévoie. Ici, ça... ça a construit partout, donc je peux zoner plus loin. Tac, et alors l'eau. L'eau, il y en a partout, ça veut dire qu'on a des problèmes au niveau du pompage. On n'a plus assez d'eau. Pico. Picabou. Placer au niveau du pompage. Est-ce que j'en suis au niveau de mon budget? Je suis à 150%. Donc j'ai pas le choix, faut que je pose des nouveaux éléments. Je vais arrêter de mettre des évacuations simples et je vais mettre des usines de retraitement. Un, parce que j'ai horreur de la pollution. Et deux, parce que je peux. Parce que je peux. Toi, tu me ferais plaisir de foutre le camp. On va poser ça là. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ici, les tuyaux à la nawak, ça dégage aussi. Voilà. Voilà, faisons ça proprement, hein, please. L'électricité, ça arrive jusque-là, no problemo. Maintenant, remettons play, voyons un peu où on en est où. On en est où niveau capacité des traitements des eaux usées. On est dans le vert. Super. Là, au niveau de notre flotte, ça va revenir à la normale également. Lui, il n'est pas dans le circuit. On le relie. Ici, ça va commencer à construire tout seul comme des grands. Ici, tous nos commerces c'est fait. L'habitation, ça arrive aussi. Et jetons un œil au niveau de notre trafic. Ça roule. Ça roule bien, ça roule bien. Combien on a de personnes dans le train? Ça se remplit pas, hein, ça se remplit pas. Par contre ici... ouais, c'est cool. Notre métro, il est utilisé à mort. Si on regarde, on arrive déjà presque au même niveau que les bus, alors que j'ai 50 fois moins d'arrêt, quoi. Donc ce qu'on pourrait peut-être penser à faire, c'est en rajouter un. On pourrait peut-être en rajouter un ou l'autre. On pourrait peut-être en rajouter l'un ou l'autre. Genre ici. Ici où c'est hyper, hyper mal desservi. Par les... pas du tout desservi par les bus, en fait. Pareil ici. Donc vous savez ce que je vais faire. Je vais faire un truc peut-être un peu dégueulasse, mais qui va certainement très bien marcher. Alors, les bus ici ça passe. Ici les bus ça passe aussi, donc c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai posé... allez, je vais essayer de faire ce que je pense, et on verra bien si ça fonctionne. Alors déjà, ici, tac, tac, ici, 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 tac. Et tac. Mais je vais les rejoindre. Je vais essayer de les joindre. Bon, ça déconne, il faut que ça dégage. Hein. Merde, je peux pas. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Et alors, mon arrêt de métro qui est là, il n'y a pas de passage piéton ici. Il n'y a pas de passage piéton. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une voie. Je vais tirer une voie piétonne qui va traverser tout. Et qui va également permettre aux gens de passer de l'autre côté. Allez, casse pas les testicules, s'il te plaît. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas grave, ça paraît plus naturel. Pareil de l'autre côté.
passe entre les deux, c'est nickel. Ici pas, pas grave. D'ailleurs ici, je vais peut-être encore me permettre de passer entre deux maisons. Non. Pas grave, ils reconstruiront. Ici par contre je dézone. Ici je dézone. Ici aussi. Et je fais tout un chemin piétonnier qui mène vers mon métro. Je vais laisser comme ça ici. Et ici je vais faire pareil. C'est pas très beau hein, quand même, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mon arrêt de métro il est là. Ici. Oups. Ici. Et alors ici je vais passer ici. Allez, voilà. Alors, si les piétons montent ça, franchement, c'est des champions du monde. Hein. C'est des bons. Hein. Et alors, juste en faire un qui va aller, qui va partir comme hack. Et comme ça, voilà, ici pour reconstruire, c'est pas grave. Et ici, eh bien, on n'a pas le choix. On va faire comme ceci. Voilà, de nouveau, c'est à la verticale quoi, c'est les mecs qui vont faire de l'escalade. Et voilà. Ici on dézone, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. C'est un test hein, les gars, hein. Je vous le dis direct, gueulez pas sur la chaîne, c'est dégueulasse, ça sert à rien. Je vais, on va regarder s'il y a des gens qui passent. Ça servirait à Agdal vu que j'ai pas fait de voie de métro, j'ai pas fait de rame, donc... De nouveau, même système que pour mes quartiers adjacents, on met des voies. Et on fait des voies qui vont et qui viennent vers la voie principale. Ça fera des espèces de... En fait, on aura une voie centrale et des voies secondaires. Ce qui me paraît pas trop vomitif comme idée. Vous me dites si je me trompe. Hein. Je suis pas un pro des transports en commun, je vous l'avoue directement. De toute façon, j'imagine que certains l'auront déjà remarqué. Ici, ici et ici. Voilà, et regardons un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre le métro ici ou pas? En tout cas, il y a déjà des piétons qui utilisent mes voies. Vous voyez? J'ai eu raison, ça va servir. Ça va servir. Ça va très certainement encore beaucoup réduire, et vous voyez? Plein de gens qui viennent s'en servir. Ça c'est nice. Donc ça c'était une bonne. Il y a beaucoup de gens qui en sortent aussi. Et ici? Ici peut-être moins. Non, non, 1, 2, 3. Bon ici peut-être un peu moins. Mais en fait, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les habitants sont malades. Pourquoi? Pollution moyenne du sol, pollution moyenne de l'eau potable, 31%. Vas-y, Zdas. Usine de traitement des eaux. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être à cause de ce truc-là. J'espère que c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon traitement des eaux? Parce que là, ça peut être la cata. Ah! Ah, c'était ça. Ouh, purée, j'avais mis un château d'eau au milieu de mon... Ouf, purée, c'était là. J'ai évité la cata. Heureusement que j'y pensais. Hein. Waouh, 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 on est passé à deux doigts. Hein. Vous avez vu tous les morts? Oh! Waouh, j'ai perdu...
énormément en population, c'est complètement exagéré. Ouh là là, allez, il faut que les morts s'en aillent. Hein. Des remports. Parlant de ça, on peut peut-être rajouter un petit crématorium ici en Vaudru en fait. Ce sera pas de trop ici. Waouh! Waouh, 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 on a des centaines de morts partout quoi. C'est juste la folie. Donc ici c'est bon, c'est utilisé. Et avant de se quitter, je vais juste. Ouais, je vais continuer à relier par ici en fait. Si. Ça m'embête hein, de casser autant de maisons, mais. Pour que. Espèce de jeu occupé. Ben oui, Attends. Parce que j'ai mal commencé mon truc. Voilà. Ça m'embête de casser autant de machins, mais. Si je veux un système routier. Et donc une ville qui tient la route. Je suis obligé d'en passer par là. Voilà, ici, le principe. Voilà, et alors ici, on dézone pour pas avoir des petites maisons toutes pourries qui font baisser le prix des terrains. Et ici, ça a déjà repoussé des petites maisons de 1 sur 1. Ça, c'est pourri pour la valeur du terrain. Donc, on empêche ça. Et voyez tous les piétons qui passent. Ouais. J'ai l'impression d'en avoir vu passer pas mal. Non, ici, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ou pas? Enfin, quelques personnes qui reviennent, mais. Et voyez, on voit quand même quelques piétons qui viennent. Hein. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pour mon métro, ça. Yes, yes, yes. Voyez tous ces gens qui viennent. Pac, pac, pac. Là, je pense que c'était une bonne décision que j'ai pris là. Pfff, tous les morts. Allez, les crématoriums, faut bosser là. La pollution du sol, elle est relevée à certains endroits, mais rien d'exagéré non plus. Ouais, c'est ici que ça râle, quoi. Toujours pas vide? Toujours pas vide. Bon. Au niveau des morts, c'est réglé. C'est juste qu'il faut que je vienne les... Il faut qu'on vienne les ramasser, quoi. On va se laisser là. On a bien avancé, surtout au niveau de l'embellissement de la ville. Vous voyez, on a encore bien zoné. Putain, vous... Ouf, vous avez vu la population qu'on a perdue? C'est juste complètement dingue, en fait. Wow, on a plein de gens qui se barrent. C'est la folie. De moins en moins, hein, mais... Oh! Oh purée, dit tous les morts. Il y en a moins en moins qui pop, hein, mais c'est parce qu'on les voit juste pas de loin en fait. Eh les gars, on se laisse là. On va régler ça au prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Un épisode un petit peu plus long cette fois-ci, mais vraiment intéressant, j'ai trouvé. Hein. Allez, ciao à tous et à la prochaine.